ça m'a intéressé, c'est pour c'est ce qu'on nous a dit. Le mot, c'est la cohésion. Je veux apprendre à vivre avec les autres, à m'ouvrir, parce que je suis quelqu'un d'assez timide de base. Et donc, je pense que ça peut me permettre de plus m'ouvrir si je le fais. Et puis aussi, ça va permettre d'élargir comment dire, nos compétences, parce qu'on va pouvoir être en contact avec des professionnels, par exemple de la police nationale, les pompiers, pourront nous dire ce qu'ils font dans leur métier, leurs études, pour ceux qui voudront les faire. C'est que j'ai pas l'habitude de on va dire voyager, de partir autre part, même si c'est quand même, ça reste quand même en Nouvelle-Calédonie. Et puis le fait de découvrir de nouvelles personnes. Nous, on a vu arriver des jeunes qui étaient mutiques, qui ne parlaient pas, qui étaient des petits jeunes de quartier ou de tribu. Et à la fin du séjour, ces jeunes étaient ouverts, métamorphosés, ils parlaient mais très volontiers. Il n'y avait plus comment dirais-je, de timidité presque culturelle dont on avait fait sauter pas mal de verrous. Et dans des interviews de journalistes ou dans des opérations de presse, etc., on avait des jeunes qui étaient complètement à l'aise et qui parlaient sans appréhension particulière. Ça a été une vraie métamorphose. Une expérimentation en 2020 avait déjà réuni 80 jeunes en mode vraiment test. Ça avait été un beau succès. Cette année, on a décidé d'élargir à 300 jeunes. On a de premiers retours très encourageants. J'invite les uns et les autres, hein, j'invite toutes les jeunes qui voudraient avoir plus d'informations, qui voudraient s'inscrire, à aller sur la plateforme dédiée, sur la plateforme SNU, et s'inscrire avant le 15 septembre. Il reste 2 semaines pour pouvoir rallier cette dynamique autour du SNU. Alors la province, elle est partenaire du SNU depuis la première édition en 2020 et elle continue de l'être sur cette édition 2023 parce qu'elle s'inscrit pleinement dans la stratégie jeunesse qui est engagée par l'exécutif provincial. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre en avant et mettre à profit ces sites provinciaux que nous avons en gestion et qui vont pouvoir être découverts par ces jeunes durant ces séjours. Ça va être le parc des Grandes Fougères, ça va être le domaine de Deva, ça va être le parc de la Rivière Bleue et puis de pouvoir aussi faire en sorte que ces jeunes soient hébergés dans de très bonnes conditions avec un internat au lycée d'Ikukewe et puis aussi celui de la Foix.